Bonjour la compagnie, je ne suis pas du tout cadré, qu'est-ce que j'ai foutu? Bonjour la compagnie, voilà, Shock Fury, on est ensemble sur un nouveau jeu qui s'appelle Void Train, qui est un petit coup de cœur de ma part. Toutefois, on n'a pas trop compris comment activer le multijoueur. Et c'est la musique... C'est-à-dire que de 50 à 100, ça change pas grand-chose, mais de 43 à en tout, bah voilà. Voilà. Moi, j'ai mis à 30%. Ouais, c'est à peu près ce que j'ai fait. Alors, j'avais changé mon personnage. Visiblement, il n'a pas eu envie de le garder. Il n'a pas aimé les modifications que j'ai fait, donc je vais montrer rapidement les modifications. Donc, on a vraiment... on peut faire homme-femme, hein, ça, il n'y a pas de souci. Hein, voilà, homme-femme. La tête, on peut changer la tête, la couleur de la peau. J'avais mis une peau plus blanche. Je lui avais mis... Les cheveux noirs, mais il n'avait pas de cheveux sur le dessus, puisqu'il avait un Stetson. On peut changer la hauteur des oreilles, mais alors ça, franchement, bon, on peut changer la coiffure, mais les coiffures sont pas folles, je trouve. La barbe, on va remettre ça en noir comme c'était prévu. La moustache, pareil, mais on va mettre une grande moustache, voilà. La stache mou. Les sourcils, on va les mettre en noir aussi. Mais pourquoi il met tout en noir, vous allez me dire? Parce que je compte jouer mon personnage en tant que panda et le jeu aurait dû sauvegarder ça, bordel de Zeus. Et bonjour, Barry. Hello. Hola. Il y a encore quelques petits bugs sur la création de perso, mais c'est léger. C'est léger. Alors, maintenant, il faut que je retrouve l'eyeliner que j'avais décidé de mettre, mais je vais sur celui-là après. Parce que le premier que je veux changer, c'est celui-là. En mode panda furieux, comme mon logo. Donc on ne voit pas parce qu'il y a le truc suivant qu'on va mettre ailleurs. Le modification de la live, ça n'est pas compliqué, c'est pareil, on reste dans le thème du panda. Alors par contre, si tu voulais bien me faire l'intensité normale, merci, que je vois ce que je fais. Voilà, panda. Je ressemblais un peu au personnage de Barry, mais c'est pas grave. Oh bah c'est très bien ça. Oh, sinon, c'est moche. Toujours l'opacité qui fout le camp. Voilà, ce sera très bien. Il me demande pas si je veux modifier, donc voilà. On peut changer les fringues, mais pas la couleur des fringues. J'espère que ça viendra par la suite. Voilà. Donc, est-ce que vous savez comment on lance une partie à plusieurs? Je ne sais pas. Donc, je vais lancer une nouvelle partie et puis on va rien dire le temps de la cinématique. Voilà, voilà. Essaye voir de ton côté, Chou et Barry. Essaye voir de... Barry, d'utiliser le lien Steam pour rejoindre la partie de Chou, voir si ça fonctionne. Alors... Juste un truc, oui. Avant que tu lances quoi que ce soit, j'ai pris les devants, j'ai lancé le machin en solo, et c'est marqué « Session, pas encore disponible, vous pouvez inviter des amis en accédant au néant. » Ah. Donc en gros, une fois qu'on a passé le machin, on est bon. D'accord, donc ça veut dire que si je veux montrer aux viewers, il faut que je vous envoie faire autre chose pendant une petite heure, quoi, en fait. Pardon ? Si je veux montrer l'intro aux viewers. Mais tu sais qu'à peine tu actives le truc, on est dans le néant, hein, donc... D'accord. Bon, bah écoute, je vais montrer ça quand même aux viewers. Donc on va lancer le début, et puis bah... Je vais vous laisser tranquille sur Discord le temps de montrer ça aux viewers, et puis je reviens sur le Discord dès que c'est bon. Ok. Faites pas de bêtises pendant ce temps-là. On a déjà fini le jeu, c'est gênant ou pas? Ouais. Je vous déteste. On est overstuff. Je les déteste. Voilà. Sometimes the spirit of adventure beckons so much it's pointless to resist it. Some people find enough courage to get on a train and head off into outer space. No. All
also know? Wrong again. These are all wrong stories. Ah, there it is, the forest. This train was passing through impenetrable, dense forests. However, that was not a nameless journey, but a long way up here, right into the heart of the endless snowy nowhere. A perfect place for those who prefer tranquility, silence, and minus 45 degrees outside the window. Meet the man who made off into this palace of silence, the engineer. He'll be here on watch duty for many long and cold months, until the next lucky guy strides in to replace him. If one comes through at all, of course. But there's no need to feel sorry for him. Although the terrain is wild, there's plenty to see and do around here. Especially if you're curious enough. Fortunately for my story, engineers are almost always inquisitive and attentive. These people notice things that elude the average person. Et là, pendant la cinématique d'intro, on a des interactions. And everything would have been fine in this adventure if the blizzard had not stopped. Non, pas Blizzard! The engineer off the trail, which he immediately lost sight of. His fingers instantly turned into ice, like everything else around him. The last hope of salvation, a map of the terrain, treacherously slipped out of his hands. Luckily, et merde. The video's timing didn't allow the engineer to suffer for long. All of a sudden, in the middle of snowy nowhere, it appeared. A door to... Where to, by the way? The building didn't seem to be on the engineer's maps. On va frapper à la porte. Anybody home? Hey-ho! This is how it all usually starts. Et c'est comme ça que ça commence. Oui, oui, oui. In that strange hut, there was nothing. No people. No warmth. Only darkness. Bien. Donc c'est une petite intro qui fait office de tuto, mais qui a un gros côté humour qui me fait beaucoup rire. Donc c'est pour ça que je comptais vous la montrer, parce qu'il y a des choses qui sont très drôles et très bien pensées, qu'on voit plus trop par la suite, jusqu'à un certain moment. Donc, on va le faire ensemble. Voilà, déjà on se réchauffe les patounes. Qui a allumé ça, on ne saura jamais. Pour allumer l'électricité, c'est compliqué. If I were you, I'd look for a key. Oui. Or something that looks like a key. Ouais. Maybe just something heavy. Mignon, mais ça sera pas super utile. Well, I don't think that's going to help. Si, si, ça peut être utile. Ah! A heavy blunt object. Gotta grab it. Aïe! Ça rentre pas vraiment là. Ouais, ce serait mieux ici. Ouais, ouais, ce serait mieux ici. Voilà. Voilà. C'est un ingénieur. Il aurait pu utiliser le côté retire-clou pour l'ouvrir, mais... On va bidouiller. On va prendre un truc, on va mélanger qu'un machin, et on va... Voilà. Absolument impossible que ça marche. On va refermer ça. On va refermer... Ouais, bon, j'ai un peu mis des coups de marteau dedans. And so, my glorious hero, having passed all the hardships of his watch, finally obtains a light in order to... to notice something strange on the table? Ooh. Il est où? Ah bah il est là. J'aime beaucoup. Hop. Je peux pas le prendre.
Est-ce que j'ai autre chose à voir dedans que je n'avais pas vu la première fois, puisque quand je me suis approché de là-haut, ça a un petit peu tout lancé. Rien du tout. Allez, c'est le temps de lever la manette. Oups. Cassé. Des fois, je contrôle pas ma force. Ni mon cerveau. Je suis un ingénieur. Et merde. Je flotte. Oh, je suis un zio-zio. Ah. Ça, c'était pas prévu. Aïeux, aïeux. Ça pique. Entrer dans le néant. La gueule de bois. On se fait agresser derrière, direct à l'arrivée, quoi. Vous allez voir, je vais arriver, ils auront déjà une locomotive. Bien. Donc normalement, selon Barry, à partir... Oh, ils ont mis des boules de Noël. Session. Modifier les paramètres de session. Expulser. Ok. Est-ce que je peux, via Steam, rejoindre la partie de Barry ou de Chou? Chou. Lancer, voir le profil, rechercher, échanger, gérer, void train, inviter, regarder la partie. Donc je ne peux pas encore. Ah! Covid dans le jeu, Anna. Alors. J'ai mangé un petit Covid. On est Covidé. Oui. Bon, bah, ok, je me jette dehors du train. Ah ouais! La chute est très ralentie. Oui. Alors, je suis arrivé dans le néon, je peux gérer le statut de ma session, mais je ne peux pas. Est-ce qu'il faut que je revienne au menu principal? Non, je pense pas. Pour vous rejoindre. Alors, ta. Minute, ouais. Papillon. Minute, papillon! Ah! Yeah. Toujours impressionnant. Arrivez-vous. Alors, ça sert à public uniquement, oui. Du bois. Vous avez une option qui s'appelle F pour revenir au train. Ouais. C'est complètement inutile. Ah, on oui. On va pas se le. Voilà. Tu vas plus vite en. Oui, nageant dans le néant que. Oui, et surtout que la corde te ramène en dessous du train, donc tu te bloques comme un con pendant un moment. Oui, en plus. Voilà. Option à ne pas utiliser, quoi. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? Comment se dit qu'on est là? Moi, je suis dans le néant, du coup, attends, je vais regarder. Je fais un petit test, voir en retournant sur le menu principal. Jouer. Trouver une partie. Joueur, non. Puff, alors, puff. Ami uniquement. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Hop, ami uniquement. Hop là. Filtre. Hop, ami uniquement, oui. Mets ton truc en ami uniquement, s'il te plaît, Choc. Je crois qu'il y est déjà. Échappe, session, ami uniquement. Je peux m'expulser moi-même de ma partie, c'est fort. Oui. Est-ce un serveur plus... Non. Mort. Par contre, ouais, je vois pas le bouton pour rejoindre la partie des amis. Hein. C'est... Nous galérons. Nous galérons, long. Ah oui, ouvrez le journal. Ça marchera pas, ça. C'est peut-être à partir de là que je peux rejoindre. Pourquoi pas un nom. Ah. La journalception, j'ouvre le journal dans le journal. Alors, attends, Chou. Oui. Sur le menu Steam, tu peux faire clic droit sur Choc et rejoindre sa partie. Ah.
C'est comment I believe I can fly. Comment on ouvre ce menu à la con déjà? Shift tab. Ok, shift tab, j'ai trouvé. Rejoindre la partie. On va aller ramasser le merdier qui est derrière. Bah, j'ai fait rejoindre la partie, il se passe rien. Parce que je suis peut-être en game, c'est pour ça. Peut-être. Après, je t'avoue, moi j'étais sur le menu, j'ai. T'as faim? Salut. Bonjour. Alors, voyons la tronche à Barry. Oh là là, oh mec, on dirait que tu es prêt pour porter des cercueils. Bah, comme je te disais tout à l'heure, hein, oui, mais je pense... c'était de ressembler au... Ah, je pensais pas à celui-là, je pensais au mec dans le... Au danseur porteur de cercueil. Ah, non. Non, non. Ah, regarde. Ah, bah alors. Bon, bah, il y a ton frangin. Dans ton frangin, mais avec moi, le... Je suis entouré de black. Voilà. J'ai black. Je suis pas black, moi, non plus. Ah, bah, je vous vois black. C'est juste que j'ai mis le tatouage en noir, frère, hein, c'est tout. Noir. Mais moi, c'est une tête de mort. Ah oui, non, t'es... Chou est de retour. Alors... Comme je disais, le F ne sert à rien. Donc ça, on va le démonter dès qu'on pourra. Mais d'ici là, il faut ramasser tout ce qu'on peut voir dans le coin. Et on avance. Tac. Donc le début du jeu est très, très, très paisible. Il va plus lâcher le... Nous disent d'activer la résine, mais ça sert à rien parce que on va rater plein de trucs. Bah, donc, en vrai, faut qu'il y en ait un qui voilà, qui aille de l'autre côté. Oui. Et ici, on peut pas claquer les portes dans la gueule des gens. Bleh, c'est nul. Par contre, t'as vu, ils ont mis des grosses décos de Noël. Ah bon? Regarde là au bout, tu vois, il y a des grandes boules de Noël qui se baladent. Ah ouais. On n'est pas dans le néant en fait, on est reptici en fait. On est quoi? On est raptici. Ah non, raptici. On est dans le néant. Ah bon? On est dans le néant. Alors, ces grosses boules vertes, là, elles bump. Donc, ça peut être utile. Oui, C'était sûr. Les petits trucs flottants, là, c'est la bouffe. Et le cuir. Du bois. Monsieur Dubois. Oh putain. Monsieur Dubois, prof d'anglais. Chef mais vraiment, hein. Chef de l'équipe de Quidditch, de Poudlard, quand Potter rejoint. Ah oui, aussi. Mais moi, Monsieur c'était vraiment Ander. Prof d'anglais au lycée. Ah. Monsieur ouais. Dubois. Ouais. La dernière année, il nous a fait faire du russe. Ah. Le vilain. La bouffe. Là, demi-tour. Et oui. Là, demi-tour à nouveau. Wouhou. Hihi. Par contre, je vous avoue que moi, j'ai plus récupéré de produits chimiques que de bouffe. Hein. Il a récupéré le Covid. Ouais. Un frein. Ah. Là, la résine, elle allait un petit peu vite. Et on a raté 2-3 trucs. Non, on a raté deux trucs là-bas. Bon, ça voilà. Va. On va mettre dans l'autre sens et on va aller ramasser ça. C'est quoi? Tu vas pas t'arrêter pour... Donc, C'est que si c'est des morceaux de bois, bon... Bah, en fait, le bois, c'est vachement précieux au début dans l'intro parce que c'est ce qui te permet de faire chauffer tout. J'ai l'impression que je me fais traîner. Toi-même. Je suis un cerf-volant. J'en ai jamais douté. Donc, on nous dit de construire une table. Tu veux la construire, mon petit chou? Donc, si ouais, tu la construis... Alors, écarte-toi. Pas comme ça. Appuie sur R et mets-la plutôt dans le sens là. R? Oui, pour rotate. Je joue pas. Oh, il est chiant. Bon, bah. Bon, t'as compris le point. T'as compris le point. Par là, je peux t'as l'air d'en chier à mort. Tu veux pas que je la pose?
Non. Non, non, mais c'est que quand c'est rouge, c'est rouge. Hein. Oui, c'est ça. C'est un peu mieux fait que sur Moria. C'est très bien. Le système de craft est beaucoup mieux fait que sur la Moria. Ah, c'est développer la technologie fonderie. Ah, ça, c'est non. Sur Moria, c'est mieux fait. Hein. Ah non, non, le placement, c'est moi qui buildais. Hein. J'ai buildé aussi, t'inquiète pas, je sais de quoi. C'est bon, je l'ai fait, la fonderie. Maintenant, il faut la construire. Je vais montrer aux viewers, si vous permettez. Hop. Donc, retâter dans l'autre sens. Et je l'ai mis là parce que, en fait, j'ai déjà fait la partie intro. Si tu la mets comme ça va prendre trop de place. Hein. De toute façon, non, c'est comme ça que c'est manche. Non. Non, mais je te dis, j'ai déjà fait la partie démo. C'est comme ça qu'elle est le moins chiant. Parce que si tu la mets dans un autre sens, quand tu vas sauter, ça va te bloquer la route. Quand tu vas sortir, quand tu vas nager, ça va te bloquer la route. Et quand tu vas revenir sur le machin, ça va te bloquer la route, la bouffe. Voilà. C'est un geste qu'il va falloir très vite prendre. Parce que vous avez votre barre de satiété qui descend en bas de votre barre de vie. Et vous devez déjà avoir perdu un tiers de votre barre de satiété, normalement. C'est la barre rose, là ? Oui. Ouais. Ah oui, j'en ai perdu. Hein. Là, on fait demi-tour. Il faut avancer, pas reculer. La bouffe ! La bouffe et le cuir. Et le klaxon. Oh, je vais essayer un truc. Non, ça passe pas. Ça marche pas, Game of Thrones. Quelqu'un a appuyé sur le frein. Et moi. Allez, la Drézy, qui a un système un petit peu... À la DBD. Ouais, mais un peu plus compliqué, parce que le truc qui apparaît à la dernière seconde... Voilà. Donc on va aller jusqu'au prochain spawn de Bidouille, qui est celui-là, en fait. Et on ramasse. Alors, regardez bien derrière les cailloux, par rapport à la perspective, parce que déjà, en général, ils te foutent des trucs derrière. Que tu les vois pas toujours. On n'a pas énormément de ressources dans la démo. On en a suffisamment, mais un peu plus, ça aurait été bien. Ah. Donc là, normalement, tu peux modifier son apparence. Et plein de petites choses. C'est quoi ce truc ? Rien de biomasse, ok. Hop. Donc on peut le retater. Et le re-géocalaser, on va l'ouvrir dans l'autre sens pour que ce soit plus joli. Par contre, je retrouve pas comment le modifier. Du coup, j'ai foutu de la ferraille et du Covid dedans. Alors, je vais montrer les coffres les plus inutiles de l'univers. Pour quatre le moment. Emplacements. Voilà. Et dedans, on va mettre juste tout ce qui est bouffe, en fait. Parce que la ferraille, c'est utile, la chimique, c'est utile. Par contre, tout ce qui est bouffe, la biomasse, la graisse, on peut les mettre dedans, c'est pas une utilité folle. Ouais, mais... Comment tu fais pour attraper la bouffe ? Hein ? Pour manger, comment tu fais ? Tu cliques dessus, tu fais utiliser. Ah. Quand il y a les animaux, les animaux. Oui, Ah oui, tu jettes dessus, tu cliques sur. Bah oui, mais t'as pas les bons boutons. Tu jettes dans la mêlée, puis tu cliques sur le bouton que ça te dit. Yaaaaah ! Maintenant qu'on est trop, en fait, on peut presque le laisser en fonction permanente. Bah oui. Ça sert à rien de s'arrêter. Ah, du Covid, ouais. Ah, de la poutrelle. Ah, les gars, si vous êtes tous les deux du même côté, ça va être compliqué, hein. Bah oui. On peut mettre un en dessous aussi. Et regardez derrière. Ah, j'ai l'impression d'être un des reines du Père Noël qui est en train de tirer le machin. Non, tu ne m'as pas eu la fleur. J'ai raté quelque chose. Oui, j'ai raté quelque chose, merde de chute. C'est bon, je l'ai eu. Ah, ah. Fais une bêtise. La bouffe. Ah, elle est partie. Sur ta gauche, mon petit... Bah, je peux pas vous différencier. En fait, je peux pas vous différencier. Lui, il a un chapeau, moi pas. D'accord. Moi, j'ai une crête. J'ai un chapeau de militaire, tabarnak. Militaire. Ils vont toujours avoir un décalage avec les musiques, hein, je pense. Par contre, vous êtes emmerdé. Il faudra sûrement que je bouffe un truc à un moment. Un bout de bois, un bout de bois, un bout de bois. Bout de bois. Ah non, mais non, saleté de plante à la con.
Tu parlais de manger un truc RL ou manger un truc dans le jeu? Parce que dans le jeu, c'est dans pas... Dans le jeu... C'est fait depuis longtemps. Alors, c'est vraiment pas difficile. C'est vraiment pas difficile, hein. Tu vois les nuages de bestioles qui flottent, tu jettes dedans, t'appuies sur eux, tu chopes des trucs. C'est des... Et puis, ben, une fois qu'ils sont dans ton inventaire, tu cliques dessus, tu les manges. Ah ouais? Oui. J'ai mis un temps à le découvrir, ça, parce que je... Au départ, je pensais que c'était juste des bestioles qui décoraient, mais à un moment, je me suis dit... C'est de mon côté, tabarnak! Hé! Hey, c'est mon côté! Écoute, moi, je vadrouille entre la droite et la gauche, puisque j'ai un baril à ma gauche, et... Enfin, j'ai un jeu à ma gauche et un baril à ma droite. Ouah. Je contrôle ce qui est oublié, comme ça, là! Regarde-moi ça! C'est ton côté, mais t'oublies tout! Regarde-moi ça, il y a du bois, il y, y a du corona! Et je... C'est bon, je l'ai eu. T'as réussi à voir les deux. C'est le corona, n'est-ce pas? J'ai enfin réussi à attraper le corona! Merde. une bonne bière. La corona. Ah non, ça... Alors, le corona, c'est le virus, la corona, c'est la bière. Oui. Faut pas se gourer! Enfin, ça dépend, parce qu'il y a des gens qui disent la Covid. Alors, ceux-là, j'ai envie de les taper. Moi aussi, il y a une biomasse oubliée là-bas. Vol, 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 bonhomme, vol, tu peux y arriver, tu peux y arriver. Oui, 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 oui. Non, tant pis. C'est non. C'est non. Vite, chaud pour le Covid. Non, mais... Ah par contre, je me suis fait planter. Alors, développer et construire établi. Vas-y, je m'en occupe. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors... Et on a un mort. Tu laisses plein de trucs de ton côté, hein, mon petit chou. Bah vas-y, fais ton plaisir. Ah, je peux pas, on est trop loin. Ah. Les machins m'emmerdent. Établi. Alors pour l'établi, il faut des lingots de fer. Avec le fer. Ah. Alors. Les lingots de fer. Alors non, n'en faites pas plus que ce que vous avez besoin parce que, bah, comme je vous le disais, les ressources sont un peu limites au début. Inspecteur des travaux finis. La récup finie. Comment ça, carburant insuffisant? Faut du bois. Du bois. J'ai du bois. Ah oui, ajouter carburant. Faut le mettre. Okay. Faut le mettre. Tu vois pourquoi c'est important, le bois? Oui. Plus 20. Ok. Hey, pourquoi je peux pas récupérer, putain? C'est quoi ce délire? Alors, je bute les bestioles, mais pourtant ça me... Non, ça te le marque pas de... C'est très discret, faudra que tu regardes dans ton inventaire. Ça se trouve, t'as des trucs protéiniques. J'ai de l'agent chimique, j'ai de la ferraille, j'ai du bois, mais j'ai pas de protéines. Qu'est-ce qui m'arrive? D'accord. Bah, faut te buter la bestiole, hein, mais. J'ai l'impression que ça loot moins que dans le. Pourquoi il y a de la fumée ici? Le jeu nous fait caca au visage déjà, ça part bien. Ah, alors. Hop. Et l'établi. Alors, les coffres peuvent contenir très peu de choses, mais on peut augmenter cette capacité. Et on a quand même la capacité de porter énormément de choses nous-mêmes. Ce qui est quand même pas. L'inverse aurait été chiant. Ajouter du carburant. 1, 3. J'imagine que le F permet de revenir au train plus rapidement quand le train part très vite. Ah, j'ai plus de ferraille. Merde. Il y a du ferraille là. J'en ai plein. Tu prends ma place et j'y vais. Ah, attends, il y a un lingot de fer ici. Ah non, c'est dans mon inventaire. Ils ont changé ça déjà par rapport à la démo. C'est parti, le lingot de fer est lancé. Ah, les loot. Le bois, le feu, la chaleur, la vie, et celui-là on l'aura pas. Mais testiboule. C'est bizarre que tu fasses ça. C'est un testigueule. Monsieur a des références. Oui. Tire-lui les poils d'Uranus. Ah, franchement, c'est l'un de mes films préférés, donc oui. Moi, j'avoue qu'ils ont fait fort. Ils ont fait très ouais. Fort. Allez. Je t'avoue que le menu de construction était peut-être un petit peu plus simple dans la démo. Non, c'était une démo. Hop là, ensuite terminé. C'est un peu con, hein. De... Oh. Donc pareil, tu la mets à côté de... Bah, tu la mets dans le coin, quoi. Ouais, je l'ai mis dans le coin, comme ça je le vois. Tu as tout compris.
Alors, oui, toi, tout comme oui. Oui. Étape technologique numéro 2. Ok. Du cuivre. Alors, oui. Cuivre. Oui, c'est pareil, c'est fait avec de l'agent chimique. Ah, on a plein de choses qui sont restées à droite. Snarfon, pané. C'est pas grave, de toute façon, j'ai déjà les sacs qui sont pleins, moi. Alors, ensuite, hop, lancer une recherche, après. Voilà, c'est très zen, le début est très très zen. On va arriver dans une première zone dans pas très longtemps, et on affrontera notre première créature monstrueuse là-bas. Ah, fil de cuivre et ressort pour le numéro 3. Wow, ah, mon cerveau m'a tellement fait croire que il y a autre chose. Ah bon? Oui, mais c'est mon cerveau. Ouais, le même. Du coup, si on a passé de la ferraille, est-ce que je vais réussir à l'attraper? Est-ce que je vais... Non. Alors la musique s'énerve, c'est normal, on arrive à la fin du niveau. Ah oui. Et plus on s'approche de la fin, plus la musique elle s'énerve. Et je commence vraiment à avoir faim. J'ai de la bouffe sur moi. J'ai de la graisse sur moi. Je suis pas sûr que ça se mange. Non, ça se mange pas. Non, ça se mange pas. Il y en a qui ont essayé. Mais ça, c'est une graisse de foie. Point qui est 2. Pas plus insuffisant, c'est pas grave. Le rein. Ajouter du carburant. Non, peut-être pas tout. Allez. Ouais, c'est bumper, ça commence vraiment à me faire chier. Oui. Ah. De toute façon, vous pouvez revenir. Ah, oh. Ouais, bon, c'est bon, du Covid. Mais encore du Covid. Toujours du Covid. Vous devriez reviendre sur le... Sur le train. Sur le bateau. Donc on est d'accord pour des qualités de streaming. On va le démonter, le klaxon. Ah, pardon. Alors, le craft du train se fait par station de craft. C'est-à-dire que tu fais tout ton niveau, tu construis ce que tu peux, et quand tu arrives à une station, tu auras le craft accessible. Ah. Donc là, on va avoir un craft accessible, c'est ça? C'est ça. T'imagines, tu pars de cette crotte et on finira par avoir un train avec des wagons. Regarde devant toi. Regarde comme c'est beau. Bon bah, accrochez votre slip. J'ai pas de slip. Oui. Putain, c'est Space Mountain. Mais... Ouais. En vert, comment ça doit te défoncer? Halt. Tab. Faut que je monte le son. Ouais, moi aussi, il faut que j'augmente aussi un petit peu le son parce que j'ai tellement baissé à cause de la musique à l'intro. On a un temps limité pour visiter ou... Non, mais c'est totalement linéaire, c'est la première. Hop là, volume du personnage. Oh. S'introduire discrètement. Discrètement, qu'est-ce que c'est, je connais. Là, quand tu t'introduis quelque part, tu dis discrètement. Enfin, choc, va pas non plus trop vite. On sait que tu l'as déjà fait, mais va pas trop vite. Oh, ça c'était pas avant. Eh ben, va pas trop vite, choc. Tu nous le reprochais déjà bien. Bah oui, parce que sur mon... parce que quand vous me passiez devant, les viewers pouvaient pas voir ce qui se passait. Là, si je suis devant vous, les viewers peuvent voir. Oui, mais nous. Mais aussi, je vous attends. Bien, Je vous attends. Voilà. Je vous attends. Peut-être. Bon, moi, je tiens à je l'ai dit à Barry, mais toi, je te l'ai pas dit. La démo, je l'ai pas faite, moi. J'ai dit, je vais regarder un petit peu de gameplay. J'ai regardé un petit peu de gameplay. Je fais bon, bah, c'est sympa. Youhou! Et en avant, comment qu'on fait pour y aller? Tu sautes. Ah, ok, là. Alors, c'est un truc qu'ils ont enlevé. C'est pas un mal. C'était des petites gaines de ventilation qui te brûlaient la gueule quand tu passais dessus. Discrètement. Discrètement.
Ah bah non, elle est là. Donc ça vous fait des vrais dégâts, hein, ça fait de gaffe. Par contre. Ah ok, là, con. Fait des dégâts, en effet. Pourquoi le narrateur il parle aussi bas? Je sais pas. Mais bon, il était en train. Je vous laisse expliquer. Oh, on a un flingue. So many diagrams on the table. He's probably some kind of designer. Pas mal le flingue. Tout ce qui est planche de bois, vous pouvez les péter. Mais c'est récoltable. C'est pas récoltable. Là, le plan. Donc vos bastos sont infinis. That was a great idea. But don't ever do the same thing, okay? Donc vos colts sont à munitions illimitées. I got an idea. Mais c'est pas fou. Comme arme, c'est pas fou. Par contre, comment tu fais pour récolter les planches? Parce que là. Non, non, tu les récoltes pas, tu les exploses, celle-là. C'est pas récoltable. Du poids tout pourri! On récolte pas le poids tout pourri! Et je commence à avoir une ces dalles, il me reste plus qu'une barre. Ouais, oui. Et encore. Mais c'est. Alors je vous rassure, vous perdez pas votre. Il n'y a pas d'incidence réelle en ayant plus de barres. C'est juste que vous régénérez moins bien. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si vous êtes blessé, votre soin se fera moins bien. C'est vraiment très bizarre qu'on n'en ait pas récupéré déjà. Ah non, moi j'ai des coronas, j'ai du bois et j'ai du fer. Putain, j'ai plein de fer. Now about my brilliant idea and the details. The console on the platform looks suspiciously similar to the device in the blueprints. It was mentioned there in the train upgrade paragraph. C'est la voix du personnage. I tell you what to do about it, but I have no idea. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. C'est voix du personnage pour que le narrateur parle plus. Ok. Du coup, là, t'as fait quoi? D'accord. Oh, on a un wagon en plus. Chouette. On a juste agrandi la taille de la trésie. Alors, donc, vous pourrez mettre tout ce qui est craft à l'arrière. Ça nous simplifiera vraiment la vie. Donc, je rappelle, pour le clavier, tu appuies sur N et G pour relocaliser. Et moi, je vais modifier l'emplacement de l'accélérateur. Et j'ai besoin qu'on enlève la petite table là, oui. Ça. Non, t'étais devant. Là, t'as enlevé ton chapeau, toi. Je vois son chapeau, là où je suis. C'est quand enlever son chapeau? Bah, toi. Moi, alors, enlève-moi l'établi. Enlève-moi l'établi. Comment qu'on fait? Attends, je m'en occupe. Non, mais il faut aussi qu'il sache... Merci. Globalement, tu t'appuies sur G pour... tu prends le marteau, donc N. Ensuite, tu appuies sur G pour loquer le truc que tu veux bouger. Et enfin, clic gauche. Alors, attends, le marteau, attends, vas-y, avec le coffre. Démolir, relocaliser. Ah, voilà. Et effectivement, voilà, tu mets éventuellement là, tu pivotes un petit peu, et voilà. Parfait. Si je construis sans faire gaffe... La transmission. Donc la transmission, tout devant. Allez, j'ai raté. Oh. Ah non, c'était bon. Donc, on va construire le frein juste derrière. Il est où le klaxon? J'avais dit que j'enlèverais. J'ai dit que j'enlèverais. Il n'y a plus de klaxon. On n'a pas besoin de klaxon. Là où on va, on n'a pas besoin de klaxon. Ah bah, dans ce cas, moi, je reste ici. T'as tué le klaxon, t'es un monstre! Si on n'a pas le klaxon, moi je reste ici. On manifeste pour le klaxon! Tu vas nous rendre le klaxon tout de suite, si on te flingue! Vous êtes chiants les gamins! Hein. Klaxon! Oui. Ah, ça part mal, hein, ça part mal! Enfin, c'est quelque chose d'essentiel, tabarnak! Attends, je te propose quelque chose. Je te propose quelque chose. Tu nous mets le klaxon. Et promis, on n'en abuse pas. D'accord, mais Chou promet aussi. Bon, d'accord.
Non, pas devant l'étape de craft, espèce d'igné. T'as raison. Je vais lui mettre là plutôt. Mais ça va être chiant, ça. Ça va nous emmerder. Ça va nous emmerder. Ouais, sinon, tu le remets au point de départ où il était. Hein. Je peux en mettre combien? Hey, allez, on en a toute une armée. Bon, ça va juste être chiant d'en avoir autant. Ouais, laisse-en un. Ouais, juste un klaxon. On a manifesté pour un seul. Voilà, pas une armée. Voilà, le peuple manifeste pour un des trucs, tu leur donnes, et ensuite ils se plaignent, quoi. Non, mais on a manifesté pour un truc, pas pour six. Ah non, vous avez demandé du klaxon, vous avez pas dit la quantité. Oui, un klaxon. Je vais le fumer, hein. Ah, ça je glace, siffle, j'enlève. Et ça, on ne peut rien faire. Voilà, donc voilà, vous avez compris l'essentiel de la modification des trains qui va être à chaque fois dans cette idée-là. On a combien de klaxons actuellement? Un seul. C'est bon, ça devrait suffire. Et Chou, tu as récupéré ton chapeau du coup pour moi. Ah. Bon. Par contre, ça il me semblait qu'on ne pouvait. Si, c'est N. Localiser, démolir, quitter. Bon, bah tant pis. Normalement, ils avaient fait des trucs pour mettre une plaque avec une couleur et un symbole dessus, mais visiblement, ça n'est plus là. C'est parti! Ah, y a pas d'étincelle avec le pistolet. Oh. Donc on va voir débarquer une... On va vite là-dedans. Oui. T'inquiète. Nouvelle note ajoutée. On va voir débarquer quoi, tu disais? Donc, une sangsue. Déjà, on a un truc là. Là, ça... De la graisse et du cuir. Oh. Donc ça, c'est des bestioles à buter très vite. Sinon? Bah sinon, elles déterrent le bateau. Enfin, elle détériore le train. Ah. Maintenant, avec votre Colt, vous pouvez exploser les bumpers. Ouais. Voilà. Oh, comme on va faire un sacré plaisir de les déglinguer. Il y a des cailloux qui sont rouges, c'est quoi? C'est des choses à exploser. Ah, en haut, il y a plein de choses. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ah non, je l'ai pas eu. On a laissé déjà deux poutrelles derrière. Je vais terminer les... Je vais m'occuper de l'étape technologique 3. Vas-y. Il nous faut... C'est... Fil de cuivre 1, ressort 1. D'accord. J'avais fait 3 cuivres là, je les ai pas récupérés, donc je sais pas qui a actuellement 3 cuivres dans son inventaire. Bah moi. Ah c'est moi, je crois. Oui, c'est moi qui les ai, attends. Donc hop, il faudra là. Que tu fasses des fils de cuivre avec. Alors, des fils de cuivre dans l'établi, j'imagine, que tu utilises. Juste devant moi. Et il me faut... Des fils de cuivre, hop. Fabriquer et un ressort. Combien? Combien? Bon, tu faisons 3, de toute façon, ça c'est un truc qu'on va avoir beaucoup d'utilité. Par contre, là on est en train de passer devant plein de ressources. Je fais ce que je peux. Bon. Monsieur Dubois, ah, vous avez arrêté le train carrément? Oui, parce que là on avait passé devant quand même pas mal de ressources. Bah ralentis-le à la rigueur, mais t'arrêtes pas. Alors, c'est le problème, c'est que t'as pas l'option de juste le ralentir. C'est où tu l'arrêtes ou tu avances. Ah bon? Eh oui. Parce que dans gameplay que j'ai regardé, le mec il pouvait le ralentir. Bah j'ai pas trouvé encore, tu peux le freiner. Oui c'est ça, bah tu le freines. Tu le freines un peu, pas totalement, mais tu le freines un peu.
Bon, on aurait été bien de récolter ce qui était bon, c'est pas grave. Tu pourrais. C'est le ressort qui veut. Un goût de fer. Non mais j'ai une quête sur ce dos. Oui oui, la même, la même. Est-ce que Choc nous aurait fait une réserve de flotte? Ah, je viens d'entendre un pan qui m'a pas rassuré, je vous avoue. Ah, j'ai fait péter un bumper. Alors ça va, tout va très bien. Oh, oh mais il me fait chier ah, ce machin. Déjà ? Quoi ? Regardez sur la gauche, il y a un autre train. Ah, et qu'est-ce que c'est censé être ? Pas bon signe. Pourquoi ? Bah, parce qu'il y a des trains qui sont gentils, puis il y a des trains qui sont pas gentils. Oh. Et ils ont déjà des wagons, eux. Oui. Can you see it too? Or am I hallucinating already? Ok, par la quête. On vous tire dessus! Ah, on a ralenti. Oui, c'est le jeu qui a pris le contrôle. Là, c'est du contrôle de jeu, quoi. Donc, on n'aura pas cliqué sur voir de plus près, mais ne cliquez pas sur voir de plus près. On va aller terminer le craft. On va terminer le craft. Oui, parce que là on est un peu en stand-by, donc tant qu'à faire. Tant en profiter. Boulon. Fabriquer. On va laisser derrière. Là, on peut pas faire autrement. C'est pas insuffisant. Oui. Oui. Voilà, ça, c'est un des trucs les plus intéressants du jeu, pour le moment. Par contre, nouveau, c'est quoi ça? Rambarde de locomotive, on s'en fout. Et nouveau, le stock, il me faut un tuyau de, un tuyau de cuivre et du rouage. Oh. Oui. Oui. Pas rien. S'il faut, j'ai des ressources sur moi. D'accord. J'ai de la ferraille et du bois. Et de la graisse et du... je ne sais plus ce que j'avais besoin pour augmenter la taille du coffre. Voilà. Rouage, il me faut rouage et tuyau de cuivre. Rouage et tuyau de cuivre. Tuyau de cuivre, c'est lancé. Là, il me faut un lingot de fer. Meurs, charogne. Éventuellement, est-ce que tu veux que je fasse un deuxième fourneau? Je suppose pas que ce sera nécessaire tout de suite. Plus tard peut-être, mais je crois qu'on aura quelque chose de mieux de toute façon. Pouille. J'ai oublié, c'est une catastrophe d'avoir une mémoire de poisson rouge. Rouage. On a dit qu'on n'abusait pas. Ah merde, pardon. Mais c'est pas de ma faute, c'est une addiction. C'est bien faire chouchou, chouchou. Mais là c'est pas chouchou, c'est poète poète. Ouais, chouchou, poète poète. Voilà, notre conteneur à droite a désormais un emplacement de plus. Et on va construire une petite chose qui est super utile. Je vais la construire de l'autre côté parce que... Je l'ai touché. Ouais, moi aussi. Ça, il me faut un lingot de fer. Tout de suite qu'on... Sur du fer. Ah, le carburant insuffisant. Ah, ça c'est chiant par contre. Et si on peut piller les trains qui nous attaquent ou pas? Bah, aucune idée. Pas y aller. On peut pas y aller pour l'instant. Oui, oui, pour le moment c'est pas bouger. On a pas patte. On modifie ça. Je veux modifier s'il te plaît. Merci. Youpidi, yipidi, yipidi, youp. Et où? T'es censé Ah, alors ça va être un vrai problème. Bah donc. Ah,
c'est pas fini. Il est pas fini, autant pour moi. Donc il veut du fer et un boulon. Je m'en fous encore. Allez. Ah, mais ils ont combien de PV, c'est con. Vraiment en train de les buter? Ah ouais, on essaye, ouais. Non, non, mais cherche pas, moi je suis un bourrin en toutes circonstances. Hein. Je voulais faire lequel de plan pour nous simplifier la vie. Ça, c'est la rambarde, on s'en fout. On s'en fout. Et la lampe, elle est sympa, mais c'est pas une nécessité pour le moment. Merde, c'était des boulons qu'il fallait faire. Ah! Il me stresse! Ah oui, je voulais faire une autre caisse aussi. Voilà. N. G. Boum! I. J. K. Ah, pardon. Maintenant, construire un deuxième coffre, parce que nous le valons bien. Voilà, nous avons du stockage. Ouais. Et le stockage du dessus, j'y mets tous les coronas. Voilà, voilà. Non, je devrais peut-être pas mettre tous les coronas, c'est un peu débile. J'ai 10 bois, du cuir, non, moi je vais garder un corona avec moi. Voilà, attention, je lance la cinémastique. Can they see us? Hey! Well, whatever. Voilà, on va pouvoir repartir. Ah ouais. Alors, d'abord, voilà, maintenant on repart. Bien sûr, on ramasse toujours tout ce qu'on trouve. Donc le mieux à court moyen terme, ce sera d'avoir un coffre pour chaque élément de base important du jeu. Donc t'auras, oui, t'auras un coffre Corona, t'auras un coffre bois et un coffre métal. Ah, je viens de me prendre un dégât. C'est très bizarre. Je ne sais pas par quoi. Je peux rien ramasser de mon côté. Oh. Oui, c'est trop loin. Par contre, là, on est clairement d'accord que c'est le train qui nous tire. Hein. Oui, oui, oui. Ah ouais. C'est pas normal d'ailleurs qu'il aille aussi vite. Petit chouchou s'emballe. Je dirais que les dégâts qu'on prend, c'est dû au débris qui prend dans la gueule en vrai. Wow. Voilà. Ben, je sais. Oui, 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 j'ai vu ça. Mais il reprend quand même de la vitesse, hein, tu vois. Donc des fois, c'est mieux de s'arrêter carrément quand t'as une zone avec plein de loot. Parce que, bah. Voilà quoi. Que j'ai. Oui. Ah non, j'ai cru que c'était là son dessus. Marche pas ça. Ah, viens ici la bouffe. C'est vrai qu'on n'a pas mangé en fait, je suis en train de me dire. Oui. Normalement, on en trouve aussi de la bouffe. De la bouffe et de la glace. La glace aussi, on peut la manger. Et on n'en trouve pas. Ouais. Ah, bien joué.
Ha! Ah, viens ici la bouffe! Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'en ai eu? J'en ai eu un, mais je suis pas sûr que tu l'aies. Là, j'ai pas eu de bouffe. J'ai eu du cuir. Cuir, cuir, cuir moustache. Y'en a, donne la bouffe, donne la bouffe. Ça l'a pris, je te flingue. T'en as vraiment buté. Yarf. On a. Donne la bouffe. Nourriture. Non, j'ai de la graisse. Chier. J'en ai déjà suffisamment de la graisse, bordel. On veut juste de la bouffe, s'il vous plaît. Ah, j'ai de la graisse, moi aussi. Mais lol. On en a tous les trois, hein. Oui. C'est clair que c'est pas ce dont on manque le plus. Ah, caillou explosé ici. Ah, revenez ici, la bouffe. Oh, graines de biomasse. Est-ce que ça pourrait pas marcher? C'est ça. Ouais, mais c'est des graines, c'est pas de la graisse. Ah merde, oui. Bah, c'est pas putain, ça. Inventaire plein. Ah. On a des coffres, hein. Arrête le coffre, arrête le truc. Fais marche arrière. Est-ce que t'as raté? Je sais pas, justement. Ça a pas une tête de ce que je connais. Ah, c'est du cuir. Je crois que c'est du cuir. Ouais. Est-ce que quelqu'un a... Vas-y, tu peux stopper. Ou baisse la manette. Ouais. Est-ce que quelqu'un a... du cuir sur lui, éventuellement? Ou de l'espace? Moi, j'ai. Alors, par contre, je suis en train... Oui, deux secondes. Là. Hop. Du coup, je... Ah, il est là. J'arrive. Juste en dessous de moi. Je vais vider l'inventaire. Je pense que je vais créer tout de suite un deuxième bac de... Parce que je pense qu'on va en avoir besoin, quoi. Ouais, je pense aussi. Hop, ça là-dedans. Ça, les graines là-dedans. C'est bon, j'ai récupéré. Il nous manque... 5 places d'inventaire. Peut-être mis un peu trop, c'est pas grave, ça se déplace. Évidemment, je n'ai plus de ferraille. Soyons fous. Je vais faire un max de ferraille. Je sais pas ce que j'avais mis dans... Ah bah si, c'est ce que... La bouffe. Les nourritures. Donnez-moi la bouffe. Qu'ai-je donc? J'ai rien eu du tout. Vraiment. Et il a juste bugué. Vraiment. Mais en vrai, s'il y a des graines, ça veut dire qu'on peut planter les trucs. Oui, ah, je non. Pense. Du... Oui. Pour du caca. Ça y est, il recommence. nid de loutophile. Effectivement, il nous faut un boulon. Qu'est-ce qu'il faut pour faire le boulon? Une barre de fer. J'ai l'inventaire qui est bien rempli. Ah bah c'est bon, t'as ce qu'il faut. C'est peut-être ça qui va nous permettre de manger. Déjà que je ramasse les boulons. Ça semble d'être le truc. Ça a l'air d'être le truc qui va nous permettre de bouffer. Venez ici, bande de petits. Ouais. Bande de petits squalala. Ah, on a un condensateur d'eau aussi à construire. Ouais. C'est quoi ça? Ok, bah on va tout mettre, hein, et puis... Cuisine. Et le nid de jbidule.
Il est où? Là, c'est ça, c'est ça. C'est déjà posé. Donc, il nous faut beaucoup de fer, beaucoup de bois. Beaucoup de cuivre. Combien de bois? Alors, quand vous avez les ressources, vous avez juste à vous approcher des trucs, et voilà. T'as juste à cliquer sur le bouton E, tu mets les ressources que tu as. Bah, du coup, c'est bon. J'ai rajouté du bois. Mais non, mais je suis con, c'est des trucs que j'ai sur moi, ça. Et je recommence à faire les mêmes conneries que dans la Moria, tiens. Oula, 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 oula. J'ai l'impression qu'on va un petit peu vite. Et tu peux freiner quand tu... Là, il nous faut un plomb. Tu as des fils... Ah bah non, t'en as plus. Mais j'ai des ressources. J'ai des ressources. Tout à l'heure, je récolte, mais... Alors, ouais, on va peut-être s'arrêter le temps de craft, parce qu'on a beaucoup de choses à craft, là. Hop, je freine. Ça, en plus, on craft dans la fumée. Donc, il y en a un qui peut me faire 4 barres de fer et un qui peut me faire 4 barres de cuivre. On avancera largement. Mec, ajoutons du carburant. Elle veut quoi la cuisine? Elle veut un tchak. T'as toujours des fils de cuivre sur toi, Chou, ou t'as épuisé ton stock? Ah non, j'ai rien touché moi. Bah, alors attends. Clique sur le four là, pour voir si tu peux mettre des trucs dedans. Ajouter ressources. Rien du tout. Et les deux autres trucs, pareil, Non, bah non, il faut des boulons de toute façon. Il faut une pluie de boulons! Hop, le fer, c'est bon. Si on peut le débarrasser, s'il vous plaît, que je lance le cuivre. J'arrive, c'est bon. Hop, voilà, le condensateur d'eau. Servent à générer et à stocker l'eau. Il fonctionne automatiquement sans votre implication jusqu'à être plein. Pensez à récupérer l'eau dans la réserve du bâtiment. Elle vous servira à accélérer la régénération du personnage et à fabriquer divers objets. Du coup, je sais plus. Le temps que je suis venu, j'ai oublié. Ah! Contre-moi. Boulon. Je vais péter un boulon! Dernier lingot de cuivre en cours. Nickel. Le nid de l'autophile, c'est bon. Remplir d'eau. Ce nid attire une créature spéciale qui, en échange d'eau, vous aidera à récupérer les objets du néant dans un certain rayon et les stockera dans le nid. Ah, ok. Il me faut juste un truc de cuivre, en fait. Ok, donc ça, c'est notre premier coin familier. Tout ça, c'est bon. Voir ce qu'il y a de maintenant dans l'établi à rechercher. Le jardin! Il me faut 2 bois et 2 boulons. Le bois dans le coffre juste à ta droite. En haut. Oui, merci. Nous allons, messieurs, bientôt nous n'aurons plus faim. Ah. Vas-y, je prends les graines, je suis prêt à planter. Oublie pas de faire caca, hein, surtout. Hein. Il recommence. Alors déjà, il nous faut du boulon et du bois, et du cuivre. Ça, j'en ai mis ça. Voilà. Le bois, c'est bon. Donc il manque que des boulons. Il nous faut 3 boulons. Je peux en fabriquer 3. Magnifique.
Fini l'époque du caca maintenant pour faire pousser les plantes, c'est du boulon. Ah. Les portes, les parterres de jardin vous permettent de faire pousser les graines que vous trouvez durant vos aventures. Pour les planter, interagissez avec un jardin tout en ayant des graines dans votre inventaire. Une fois plantées, pensez à les arroser. Les cultures arriveront à maturité après un certain délai. Lors de la récolte, vous avez une chance de récupérer les graines utilisées. Qu'est-ce qu'il faudrait pas qu'on en fasse trois histoire d'être sûr d'avoir de la bouffe chacun? Ah, je pense que ce serait pas déconnant. Je t'avoue que... Ouais. Mais de toute façon, on a que deux graines, donc... Bon, bah alors on va laisser ça comme ça pour le moment. On peut faire de l'eau bouillie et de la biomasse grillée. Bien entendu, il nous faut de la biomasse. Eh ben, mes chers amis, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Non, je déconne. Le connard. J'étais en train de me dire, ouais, vas-y, c'est bon. Nous allons repartir, surtout. Déjà, on check un petit peu en arrière, voir si on n'a pas lâché trop de... Oh, il y a plein de ressources qu'on a laissées derrière. Je vois beaucoup de bois, je vois beaucoup de fer. Bon, c'est pas un drame non plus. Le problème, c'est que quand t'avances trop, au bout d'un moment, il y a un barrage qui se met derrière et donc tu peux pas revenir en arrière. Donc là, je vais quand même faire un petit retour en arrière. Le temps qu'on récupère tout ça. Parce que... Non, on est encore dans 3 ans. Voilà, plongeons et récupérons mes petits chatons. Hop, on a un labo maintenant. Hop. Ah bon, celle-là elle est trop loin. Tant pis petit bout de bois, je te pensais plus près. Là, par contre, normalement, je dois pouvoir. Nya. C'est pas grave, on a déjà réussi à récupérer 3-4 ressources. C'est déjà très bien. Allez, c'est reparti. Allez, le train. Merde, je sais plus c'est lequel l'avant. Allez, c'est par là. Chou. Et regarde ce que fait Barry. Ah, il fait caca. Par contre, si vous pouvez vous retourner, j'ai un peu de mal quand on me regarde. T'inquiète, ça sort tout seul au bout d'un moment. Faut juste faire... Et voilà. Merde, je me suis... Ah oui, mais fallait faire caca dans la plante. Fallait surtout déjà enlever le pantalon avant. Ah oui, merde. Exact. Tu sais, Choc, je suis un adepte du « je me chie dessus ». Ah, ok, d'accord. Oh, on va bientôt manger. Ah, parce que j'ai la dalle. Ouais. Ah, surtout que ce serait bien qu'on ait mangé avant la prochaine station, parce que c'est là où on va rencontrer nos premiers ennemis, je pense. Oui, là, la prochaine station, je sais pas ce que c'est. Hein. Je l'ai pas fait, je l'ai pas vu. Je suis innocent, ce n'est pas moi, monsieur l'agent. Alors toi, par contre, je t'ai vu. Voilà. Et hop, nous avons un labo, maintenant. Ouais. Oh. Ah, bah... Manger avant la prochaine station, ça va être compliqué. Non, voilà, non, on arrête le frein. On prend le frein, c'est tout. Oui, mais... je te signale que... Il y en a que deux qui vont pouvoir manger, en vrai. Là, c'est mieux que pas du que personne. C'est pas faux. Ah, t'as arrêté le train, j'étais en train de me dire pourquoi j'avance plus comme un connard, mais... Oh, il est mignon! Il est mignon! Chou! Marie! Quoi? Il est mignon, regardez! Il est mignon! Oh. C'est un poisson-chat, ou un chat-poisson. Un autophile. Donc lui, il va aller chercher des objets, comme nous. Oh! Il va le mettre dans le nid. Oui.
j'ai trouvé comment utiliser le Covid. Ouais. Oui, ça permet de faire des bouteilles qui nous permettent aussi de construire encore autre chose après. Oui, t'inquiète, je gère. On peut débloquer les bandages. Ah bah, c'est ce que t'es en train de faire, d'accord. Et après, il y a l'armurerie et les munitions. L'armurerie et les munitions. Il nous faudra quoi pour l'armurerie et les munitions? Est-ce qu'on peut déjà regarder les ressources nécessaires? Un ressort, un bois, un tuyau de cuivre. Toc. Oui. Tu sais ce que ça me fait penser un peu quand même ce jeu? Raft? Non. Le jeu qu'on avait fait était. Desolate. Oui. Ça m'y fait un peu penser, je t'avoue. Alors faudra qu'on s'y réintéresse parce que le jeu a pas mal évolué depuis qu'on l'a quitté. Hein. Et puis il faudrait qu'on y fasse venir Chou aussi. Ouais. Qui rencontre un survival. C'est un. C'est un genre de survival. Ça y est, pitié. Chelou. Voilà. Non, vraiment, c'était assez chelou. Mais fun. Ouais. Ah, je suis en train de faire les munitions. Allez, c'est parti. C'est-tu pas mon canard? C'est-tu bon mon caneton? Il est mignon! Alors, un ressort et un tuyau de cuivre. Ok, un ressort. Si tu tires dessus, tu crois que ça fait quoi? Chou, tu veux faire l'armurerie, pas les munitions? Bah les munitions c'est fait, ça y est. On peut les fabriquer maintenant. Non, t'as fabriqué l'armurerie, t'as fait l'armurerie, grosse malin. Gros malin. Non, j'ai fait les munitions à côté. Popopo. Et pour les munitions à côté. Oui, dans la recherche là, dans la recherche t'as l'armurerie et à côté t'as une boîte de munitions. Moi j'ai fait les boîtes de munitions. Il a débloqué les. Et on peut fabriquer des munitions. Et tu sais que les munitions, si t'as pas débloqué l'armurerie, c'est... Oui, mais je suis en train de le faire. Je les ai là. Là, ils sont dans le coffre. T'as Donne le. Calmez-vous. Là, on va le coffre derrière toi. Donne-moi un tuyau de cuivre. Ah, ok. Bon tuyau de cuivre. Hop là. On voit dans la boîte. Il te manquera quoi après? Un ressort si peut-être. Minute, je le saurai. Encore un ressort peut-être. Non, c'est bon. Bon. Va avoir des armes à feu! Bah déjà ce qu'on a. Biomasse grillée. Il me faut du bois. Biomasse. Si l'un d'entre... du bois si tu veux. Alors, je mets la biomasse dans le coffre ici. Il y en a trois. Mmh. On en a trois, donc je pense qu'il y a moyen qu'on mange tous les trois. Du coup, quoi, on l'a fait cuire? Oui. Oh, ça a l'air bon. Non, ça a l'air dégueu, soyons honnêtes. C'est tout sauf... Ça a l'air tout sauf bon. Oh! Bon bah, Prums. Alors. Oh bordel, ça rend rien mon bout en vie. Oh, ça rend que dalle. En nourriture. Ouais, ça rend un sixième de la barre quoi. Ah super. Et le prochain niveau, c'est les armures. Il nous faut deux boulons. Par contre, on va peut-être se calmer parce que je pense qu'on n'a pas la place pour tout mettre. Ah bah c'est... Donc quand vous n'avez plus de satiété, vous récupérez plus de points de vie. Alors attends, on peut rajouter du carburant. Voilà. Attends une seconde. Ah, l'eau, ça rend presque autant de satiété que la biomasse, en fait. Ouais. Donc, c'est pas ouf pour le moment. Pour le moment, non, je pense que bah, c'est un plat niveau 1. C'est autour de qui de manger?
Bah, j'en ai fait un, donc si tout le monde n'a pas mangé... Harry, t'as mangé, toi? Ouais. Bah, je viens de le créer pour moi, bah, dans ce cas-là. Mais... C'est pas grave. Prends de l'eau et bois un couche, ou ça augmente la satiété. Et nous repartons! Comment on le mange, ce truc-là? Parce que c'est bien beau de l'avoir dans l'inventaire, mais comment on le bouffe, maintenant? Tu cliques dessus et ça fait un bouton utilisé, normalement. Et tu... Ah bon. Ou alors tu fais... Il joue manette. Ah oui, pardon. Bah, c'est bon, j'ai trouvé. Ce qui est chiant, c'est que tu peux nous demander comment on fait, mais on peut pas te répondre parce que t'es sur manette. Oui. Alors, attends. Et bonjour les gens sur le chat. Hello. Et nous repartons. Armurerie. Il me faut deux ressorts et... Je fouille sur la gauche. Ce jeu est zen quand même. Ce jeu est zen et calme. Au-dessus de toi là-bas. Chibidi, bout de bois. Chaque fois que tu passes devant un caillou, regarde bien derrière s'il n'y a pas un truc que je fais bien collé derrière. Hein. Oh, il vient de ramasser un truc devant moi. Loul. Bon gamin. Le poisson-chat est actif. Sans doute le meilleur joueur de toute la bande. Moi inclus, hein. Alors... Nous avons une armurerie, ça y est. On peut poser une armurerie, tu vois. C'est bon, on a une armurerie. Posez où? Là. Ouais. Et peut-être que je freine. Ouais. Bon bah j'ai pas l'impression qu'on puisse modifier ou bouger ou changer grand chose pour le moment. Est-ce qu'on a comme projet suivant après? La tenue en cuir. Il nous faut des boulons. La tenue en cuir. Pas boulons. Je redoute un peu la première confrontation hein, mais tout va bien se passer. On va à l'heure niquer leur maman. Vas-y, je suis prêt. T'es en train de faire des boulons, mon petit chou? Il me faut des... De quoi en faire, alors, attends. Ah bah, je suis en train de les faire. Par contre, pour faire le cuir, on a ce qu'on a déjà. Là-dedans. Pas là-dedans. Non mais j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut, je vais m'occuper de lancer le cuir. Voilà, c'est lancé. Ouh, je suppose que c'est là. Modifier. Et... DPS, tonneau, chargement. D'accord, je comprends pas trop le principe. Est-ce qu'il faut créer un truc spécial pour l'armurerie? Ça a pas l'air. Par contre, je pense qu'on va créer un deuxième truc d'eau. Parce que si c'est ce qui nous permet... de faire à peu près tout sur le navire. Voilà. Ça, c'est en plus. Je reviens sur moi. Tèche. Coffre à Corona, coffre à Grèce, coffre à plus rien,
Les coffres à pas grand chose. Bon bah les gars. En avant? Ouais! N'oubliez pas de recharger vos armes si elles n'est pas fait. Ce que j'aime bien dans ce jeu, c'est que pour le moment, j'arrive à ne pas vous perdre. Ça va être un peu compliqué, mais bon, si tu y arrives, voilà quoi. Ne sous-estime pas mes capacités naturelles. Oh, c'est jaune. Ah, c'est bleu. Oh, c'est tout vert. Et voilà. Donc on a un troisième wagon là. Can't expect a warm welcome. That's a shame. Je sais pas à quel moment on va se prendre des ennemis sur la gueule. Donc essayons de rester groupés. Ah, moi j'étais parti de l'autre côté. Oui, je vois ça. Bah après, on peut très restons, bien, je peux restons, très bien, t'inquiète. Restons, hein. restons groupés. On sait pas sur quoi on va tomber. C'est pas grave, au pire des cas, j'appelle ressources. Caisse de construction. Les ressources de cette caisse ne seront pas sauvegardées si vous quittez le. Ok, d'accord. Munitions pour fusil à pompe. Oh. Pas encore le fusil à pompe, mais c'est pas. C'est des munitions. Moi j'ai des munitions. Oh. Oh. Munitions pour fusil à pompe, munitions de chasse. Ouais, c'est du. Chic. Je crois qu'on va avoir des munitions. Oh! Mais lol, ils ont osé. Jetons insuffisants. Lol. On peut jouer au casino. Ouais, j'imagine qu'il doit y avoir un jeton quelque part pour tester le truc. Oh bah tiens, un baril. C'est un drôle de distributeur. Ouais. Moi je m'attendais à du coca. J'ai récupéré 4 biomasse avec ce machin. Ah ça c'est bien. Ça c'est bien. Chou, je veux que tu ressortes parce que je veux tester de tirer sur les bouteilles rouges. Ok, c'est confirmé. Ce ne sont pas des extincteurs. Ah, tu sais que si tu tires sur un extincteur, ça aura le même effet. Hein. Non, non, ça c'est juste un truc dans les jeux. Oui, Marc, dans les jeux vidéo, oui. Mais en vrai, non. Mon esprit papillonesque me dit d'aller par ici. Bah, il y avait pas papillonesque en fait. Eh. Oh, ah. Ouais, ils sont nombreux. Ouais, bon, jouer à la manette à ce jeu, c'est pas pratique. Alors, clavier. J'en ai eu un. Oh, j'en ai eu au moins 3. J'en ai eu 2. Ils sont nombreux ces cons en plus. Bip. Ah le bâtard. 4. Ah là je l'ai pas eu du tout. Lui. Espace insuffisant. Ah, si vous avez de l'espace. Je suis à côté de toi, mais il y a un monsieur qui m'embête en face. Il t'embêtait, il t'embête plus. Hop, lui non plus, il n'embêtera plus personne. Je crois que le combat est fini. Ah non. Non. Putain, mais je viens de faire des tirs à l'atomium. What's that sound? Is there someone else in here? Blague. Je viens de se faire canarder le mec. Oh, il y a peut-être quelqu'un d'autre.
Oh. C'est vrai? Mais il y en a encore un? Ah non, c'est Chou. Ou Barry. Non, c'était Barry. Oula! Elle a l'air casse-gueule, cette histoire. Ok. Ça fait peur, crétin. Alors. Ça, oui, pas... Localiser l'origine du son. Bon, bah, il faut trouver d'où vient le son. Visiblement, ça vient pas de l'hôtel runique. Ça doit venir de dedans, quelque part. Ah, retour à l'intérieur, hein. Inventaire plein. Ah. J'ai trouvé. Pareil, j'ai un inventaire plein. J'ai encore de la place. Et donc, par où vous êtes rentré, vous? Parce que vous me dites trouvé, mais... Hop. Mais non! Mais! Tu vois là où on a flingué les gens? Qu'est-ce qui t'arrive? Hop, attends. Repeating once again. A self-made trolley, small with armed, motives unclear, presumably linked to the personnel has been eliminated on post number permission granted to open fire to kill. Over and out. C'est un ingénieur. They think we're connected to someone. Huh. We got here on a scientist trolley through his portal. We're using his notes. We're following his trail. Maybe that's who they're talking about. Ça. Déchets chimiques. Transformés en objet utile. Donc il y a des objets dehors à ramasser, c'est ça? Je te suis, Chou. De quoi donc? J'ai l'inventaire qui est plein, moi. Oui, mais il y a des trucs à ramasser. Moi, j'ai encore de la place dans mon inventaire, donc s'il y a des trucs à ramasser quelque part, montrez-moi et je ramasse. Ah. S'en fout. Je crois que j'avais vu des objets qui étaient là-bas. Ah bah, je l'ai perdu. C'est con parce que ça, là-bas, c'est... Ça a l'air d'être un événement de scénar, mais... Comment j'ai fait pour te perdre? Je suis sur la rune. Sur l'enclume runique. Là, je suis reparti. Là, t'es passé devant moi. Derrière toi. Là, là. Tourne-toi. Ah! Un chou. Ah, je te montre pas. Ce n'est pas de double saut. C'est du bois. C'est du bois. Mais c'est Monsieur... quand même important. Monsieur Dubois. Par contre, le combat nous a complètement coupé la satiété qu'on avait réussi à accumuler. Bah, j'avais déjà mangé un truc, mais ça m'a pas du tout suffi. Voilà, la satiété a pu. Le combat a pu. Voilà, a pu. Dégage. Quitter le dépôt. On peut pas avoir un troisième truc, du coup? Troisième truc. Wagon. Ah bah, visiblement, pas ici, non. Si. Il est là, le machin. Ah, ok. Et nous, on n'a pas... Attends. Le module, on a compris. Il nous faut deux pierres... deux pierres. Deux barres de fer et deux choses qui ressemblent à des... des pompes de moteur, enfin des... Faire ça, nous? Pas sûr. Ah, les tenues en cuir, c'est là. D'accord. Boulon, rouage, ressort, tuyau, ressort, munitions... Les munitions, c'est ici aussi. Sac à dos. Oh, sac à dos grappin! Oh putain! Conteneur 2 aussi à débloquer. Éclairage mural. On s'en fout. Ouais, est-ce qu'on a un endroit où on peut le faire ce truc? Je
superplexifié. Ah bah si, c'est là. Mais apparemment, on n'a pas encore le... On n'a pas encore le plan. Chier. T'as peut-être raté un truc. Ah bon ? Bah oui, parce que là, on nous propose des trucs. Mais C'est quoi ça ? Caisse inutile, caisse de construction. On a raté vraiment quelque chose à la con. Ou peut-être qu'on peut pas tout de suite, je sais pas. Bah ça fait bizarre de pas pouvoir construire un truc alors qu'on est juste à la deuxième station quoi. Je peux même pas vous dire le nom du truc puisque... Équipage, wagon, moteur mécanique... Ah je peux renommer le véhicule tiens. Bon, c'est bien impétueux. Pour ajouter un wagon, il nous faut une boîte orange. Et pour améliorer le wagon, il nous faut deux fers et deux pistons, c'est ça. C'est les pistons le nom que je cherchais. J'imagine qu'il y a peut-être des pistons dans une boîte quelque part qu'on est passé devant. Est-ce que l'un d'entre vous a chopé un jeton ? Pas pour le moment. Un quoi ? Un jeton. Un jeton. Un jeton, non. Chute de cuivre, chute de fer. Bon bah tant pis, j'imagine qu'on a raté quelque chose. Ah shit. Je refais le tour hein, mais Ouais non, ça a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Bon alors on écoute peut-être plus tard. Enfin sûrement plus tard. J'espère. Donc on peut pas pour le moment créer de nouvelles. On peut pas augmenter la taille du wagon, donc on est limité sur le nombre de trucs qu'on va pouvoir mettre. Faut pas quand même non plus que. Un moyen qu'on monte là-haut. Va se fermer. Non, bah écoutez, le jeu nous dit quitter le dépôt, donc. On va quitter le dépôt. Peut-être qu'il va se passer quelque chose quand on va démarrer le train, je sais pas. Bien joué, t'es monté là-haut. Ouais. Bon bah... Minute papillon. Minute bordel de brin. On a plus de masse de... Plus de masse de... De graines de biomasse. Ressort... Et un... Un ressort et un boulon, ok. Et tu fais quoi? Un grappin. Un ressort et un boulon. Oh bah... Le mécanisme, il arrive après. Vas-y mon chou, fais-le. Oui. Alors, il me faut maintenant un lingot de fer. Oui. Et donc, le truc que j'arrivais pas à dire, c'est de mécanisme, tout simplement. Ah, donc on pourra peut-être faire le troisième wagon, alors. Agrandir le wagon. Améliorer votre wagon. Ah. Mais oui, je suis d'accord. Mais il est mignon. J'ai un petit chaton et son pépère. On va l'appeler Pascal. On va l'appeler Pascal. Je sais pas pourquoi. Il est mignon Pascal. Pascal le chaton. Pascal le chaton. Ah. Là, il te faut du cuir. Allez. Mais... Hop. Alors j'ai du cuir et j'ai du bois. Hein. Je suis pas sûr que ça va te suffire. Donc faudra faire le tuyau de cuivre alors. Alors, hop, à prendre. Écoute, je vais te mettre toutes les ressources dans le coffre. Non, là il y a la graisse. Là il y a le Covid. Voilà. Je mets toutes les.
Toutes les ressources que j'ai, je te les mets ici, en bas à droite. Voilà. Ok. Alors, donc, pour le prochain, de quoi j'ai besoin pour le prochain? Boulon et tuyau de cuivre. Ok. Boulon, un boulon. Mais c'est chiant parce qu'en fait, ça veut dire qu'une fois qu'on aura fini, on n'aura peut-être pas les ressources pour construire les deux bitonios qui vont nous manquer, en fait. Alors. Mais si t'inquiète pas. Plus de graines de biomasse, ça c'est chiant. Ah, et tu peux planter les biomasses que t'as directement ou pas? Non. Ok, donc faut les... C'est des biomasses, c'est pas des... Donc il faut les bouffer pour tenter de récupérer des graines pour pouvoir les faire. Il me faudrait de la ferraille. Je n'ai plus rien. J'en ai 30 si tu veux. Magnifique! Ah oui, je les veux bien. Tac, tac, tac. Ah, parfait. Magnifique. On aura peut-être moyen de faire nos pièces, nos mécanismes alors. Par contre, si à chaque fois il nous rajoute les trucs à l'arrière, on va reculer tout quoi. Ah, le cuivre est prêt. Le tuyau de cuivre est prêt. Vas-y, je récupère. Hop là, le tuyau de cuivre est prêt. Pendant cela, je picole. Vas-y, vas-y. Alors, il me faudrait... Pendant cela, je vais réfléchir à quelque chose de capital. Comment renommer le vaisseau? Le vaisseau, tu veux dire le train, non? Le train, oui, bah, il se déplace dans le néant, enfin... Oh, mais je suis con! J'ai pas besoin de réfléchir. Voilà! Messieurs, nous sommes les pilotes du Void Express 999. Classe, j'aime bien. Et pour ceux qui ont la référence... Ah. Oh, on peut péter les lampes! Ah, pas toutes. Ah, dommage. Mais oui, Pascal. Pascal, le petit frère. Et le mécanisme. Donc, il me faut de la graisse, maintenant. Hop là. On en a. Alors... Donc, tu dois en créer... faut en faire deux. Et je crois qu'il faut... Tout... Oui, il faudra que tu me les donnes, je pense. Alors, ah, mais graisse. Attends. Je suis con. Je peux en faire au labo. Il me faudra deux lingots de fer et deux mécanismes. On a de la graisse, non? Là, il y en a 8 de la graisse dans le conteneur là. Ah! Là en bas. En fait, le pistolet sert surtout à indiquer ce que tu montres. D'accord. Là, Pascal. Monsieur le grand frère. Le petit frère. Oui. Et nous avons le mécanisme dans 1-0. On a le mécanisme, ça y est. Il en faut deux. Deux? Oui, deux. Comme papa. Le recycleur aussi, alors? Non, deux mécanismes. La recherche est faite, ça y est, c'est ça que je veux dire. Ah! Tu fais le... Alors, le mécanisme, donc c'est le piston? Ça doit être ça, oui. Enlève-toi ouais. Que je te dis. C'est ça, c'est bon, c'est bon. Nous en faut deux. Parfait. Vas-y, je prends. Hey, je suis au McDrive. En Void Drive, c'est pas joli. Et il me faut deux barres de fer. Deux barres de fer, alors attends. Ouais. Deux barres de fer, j'en ai pas, mais je vais t'en construire. Avec deux barres de fer, tu peux tout faire. Hop. J'ai plus de carburant. Attends, j'ai de la graisse. Un, deux. Ça y est, on a trouvé un moyen efficace de brûler nos graisses. Oui, deux, hein, t'as déjà un. Deux barres de fer. Ouais, je comprends à quoi il sert, en fait, le petit passage-là. C'est pour que tes personnages aient obligatoirement un endroit où ils peuvent se placer.
Alors par contre, s'ils nous ragrandissent encore le truc sur l'arrière, faudra juste déplacer le bureau par là, quoi. Oui. Allez, améliorons le Void Express 999. Et ben voilà. Wow! Oh, agrandissez la taille de votre... Allez. Je vais déplacer... le bureau. Et puis tu sais, on peut déplacer l'armurerie aussi, du coup, qui peut partir à l'arrière. Ouais. Je peux pas laisser à côté des... Attends, non mais pas l'armurerie, là. Enlève-toi. Ce qui est bien, c'est que je vois le truc que tu veux placer. Voilà, mais mets l'armurerie en face. Tu vois, j'aurais aimé avoir un système de construction comme ça sur la Moria, parce que, l'air de rien, le peu qu'on vient de faire, c'était vachement mieux gaulé que la Moria, quoi. C'est vrai. Oh putain, on a vraiment de la place, là, quoi. C'est luxueux. On pourrait presque se permettre de construire du mobilier. Ali. Allez. On en aura un. Wow. C'est parti, le klaxon. Ouais. À l'occasion, si t'as le moyen, termine aussi ce collecteur d'eau, parce que... Alors, il me faudrait un boulon. Vas-y, attends, je vais le faire. On va freiner ici directement parce que on a besoin de boire et qu'il y aura très simple. Puis il y a déjà des merveilles. I want to warn you about something. Ah. Aside from the nasty but harmless creatures, there are other, let's just say, hungry monsters. Ah, là-bas. Ça, c'est une saloperie qui mange le train. Le train. Le requin. Le squalala. Et que ça a fait la musique des dents de la mer, oui, clairement, oui. Le mégalodon. Eh ben, considère qu'à partir de maintenant, je ne sors plus. Oh, une maison. Ils ont mis un nez rouge. Mais lol. Ils lui ont mis un nez. Oui, comme les reines, comme Rudolf le renne. Le renne du Père Noël. Et voilà, notre deuxième condensateur fonctionne. Parfait. Bah, va falloir qu'on trouve de la bouffe parce que. Bon, ça peut craindre du boudin cette histoire. J'ai toujours les 4 trucs que je vais faire chauffer. Oh. Peut-être lui donner à boire à lui, non? Oui, il faut lui... Ah non, il est plein. Il est bien, il est content. Il est content. Excuse-moi, je passe sur la gamelle. Hein. Bah vas-y. Vas-y, tes pieds dégueulasses dessus, on ne dira rien. Ok. Ça me manquait l'odeur de pied. Ah putain. Ah. Le requin, le requin, le requin. Saleté de saloperie de saleté. Graine de biomasse. Ah. Je peux pas aller plus loin à l'aide. Alors attends, parce que là on est censé surtout réparer le truc. On a pris des dégâts sur... Bah, en fait, tout ce qui est à 95%, mais je peux pas tout réparer. Il veut bien... Ah, il faut du bois. Il faut du bois pour trouver... faut les matériaux pour réparer, d'accord. Il est là. Cette pute. Espèce de squalala de mes deux, là. Bon, je vous annonce que quand il meurt, il nous lâche un paquet de ressources, hein. Ah bien. En sorte qu'il meurt. Vas-y, vas-y, ramène ta gueule. Ramène ta gueule, je t'attends. Yeah.
Alors, en général, il attaque dès que quelqu'un fait quelque chose. Hein. Tant qu'on bouffe pas. Ah. J'ai mis de la biomasse grillée, j'ai mis 3 morceaux de biomasse grillée, j'en ai déjà mangé un. Dans un coffre. Petit, viens prendre tes bastos. Tire pas sur les espèces de bestioles, hein, tire pas dessus, ça sert à rien. Alors aussi l'astuce avec le requin, c'est de ne pas le tuer quand de le tuer quand il est assez près, sinon bah pas cash pour les récoltes. Ouais. Ouais, mais bon là c'était plutôt pour l'affaiblir que pour autre chose. Ouais. Allez, avançons doucement, il va revenir de toute façon. Il est derrière. Il est sur le côté. Il est dans l'approche. Et il est là. Allez, on l'achève. Non, il est presque mort, mais il est pas sur le chemin. Je suis en train de récolter des tonnes de graines de biomasse. Je crois qu'on lui a fait peur. Ouais, mais là, il va finir par revenir. Bon bah, je relance le frein. Enfin, j'enlève le frein. Là, je me suis compris. En avant. Ah bah on est à 2 heures de vidéo quand même, hein, les gars. Ouais. Ah mais lol. Quoi? Oui. Il peut tirer sur les leviers. C'est bien. Ouh. Ah bah il y a une attaque au corps à corps, tiens. Pas l'air de vouloir revenir, hein. Il est à gauche. Ouais, non, mais c'est juste, il est pas encore assez près, c'est pour ça que j'ai pas tiré dessus. Ah, salopard. Ah, laisse tomber, je m'en fous des ressources, là, je sa peau. Je vous dis, il attaque quand quelqu'un est occupé, donc si personne n'est occupé sur le bateau, il attaque pas. Le bateau? Le vaisseau. Le train. Le train. C'est un train. Le véhicule. Pourquoi on n'avance plus encore, tabarnak? Quelqu'un a stoppé.
bloqué par excroissance. Ah, le salaud! On a une saloperie accrochée au train et c'est pour ça qu'on avance plus. Faut buter l'excroissance. Putain, mais il régénère ses PV en plus, l'autre. Oh là là. Ah, donc ce salopard, ils se sont accrochés sans même qu'on le voie, quoi. C'est... Il a réussi, ouais. Ouais, et puis l'autre, il régène ses PV, le requin. Gros enfoiré. Préparer et boire de l'eau bouillie en cuisine. Par contre, je vais peut-être manger un petit truc, moi. Il y a plus rien. Je l'ai dit, elles sont dans la caisse à gauche, là. Carburant insuffisant, mais j'ai pas de bois, moi. Si ? Non, j'ai pas de bois, moi. Si, j'ai du bois. Alors, on verra si l'eau bouillie donne suffisamment de PV. Il a l'air de plus vouloir venir. Qu'est-ce qu'il ferait, la gueule ? Je crois que je l'ai vexé. Ah, mes graines qui volent ! Bon, tant pis. Ah ! Sniff. Ah, c'est intéressant, ça. Ce squall n'était pas un vrai squall, quoi. Au-dessus de toi, chou. Bout de bois. Ah. Où ça? Attends. Il l'a chopé pour moi, c'est bon. La bravette. Oh putain, on est dans un grand squelette. Oh là oui. Belle bait. J'ai pas envie de la croiser vivante. Merde. Les nages. L'eau est pleine, on va vider l'eau. Bah si y a de quoi faire pour les irrigations, bah c'est bon, c'est fait. Eau bouillie, 10% de nourriture. Ouais. Ouais, c'est comme les biomasses cuites, ça rapporte 10%, quoi. Ouais, je vais en faire bouillir plein. On est loin des lambasses, hein. Oh, clairement, ouais. Ah, les lambasses. Ah, dur, hein. Tous les tunnels qui se ressemblent. Ouais. Et le mur.
Le mur. Comment ça me manquait ce putain de mur. Pas moi. El famoso mur. Inventaire plein. Ah. On va pouvoir arrêter le. Plein. On va pouvoir arrêter le camion et bricoler un petit peu. Oh, je kiffe ça. Déjà, on a de la bouffe prête. Alors, j'ai de la graine de biomasse qui est déjà. Hey hey. Fertilisée. Oh, faut faire caca dessus. J'ai arrêté le train, il était en train de faire marche arrière, ce con. Ah. Pas de place pour le produit fini. Voilà, c'est bon. La bouffe, c'est parti. J'en prends une, je mets les autres dans le dans la caisse. Ah, je crois que j'ai entendu du requin. Non, j'ai rêvé. Alors, construction. Le recycleur. Alors, un lagot de fer, un rouage, un piston, un boulon. C'est con qu'on puisse pas faire un suivi. Vraiment, nous falloir des coffres parce que là, c'est la dèche. Ça, c'est pas non plus le truc difficile à construire, quoi. Ah, il a soif, le bonhomme. Quelqu'un. Merci. C'est gentil parce qu'elle avait soif. Oui, ça va mieux, hein. Alors. On va construire un autre stockage ici. Les caisses quand j'aurai le matin. Voilà. Ouais, je pense que le deuxième fourneau ça va pas être déconnant maintenant. On va pouvoir commencer à y penser sérieusement. Fabriquer un bandage sur l'établi et le ramasser. Bandage. Il nous faut agent instable et du queer. Ah, mais tu sais que ça, j'en avais déjà posé dedans. T'as posé dedans où? Dans des coffres. Je les ai pas vus. Mais c'est pas grave, il faut faire des bandages avec du cuir et je pense que on aura jamais trop de bandages dans ce jeu. Je sais plus dans quel coffre je l'ai posé. Là il y en a un. Ah non, c'est dans. Là il y en a trois, oui. Et il y a du cuir ici. On va faire une chie de bandage. Je pense que ce sera pas déconnant. Est-ce que ça marche? Oh, putain, le bandage il a l'air dégueulasse. Oui, oh la vache, comme ça rend de... Oh, comme ça rend de la santé de fou. Ah oui, bah oui, ouais. Va falloir en chier des tonnes. Tu m'en lâches un. Je veux bien aussi un bandage. J'en ai fait un craft et j'en ai mis un ici. Par contre, ce morceau de fer, là, il me nargue. Roue des objets. Maintenez Q pour choisir un consommable dans la rue, puis relâchez Q.
Appuyez à nouveau sur Q pour appliquer l'objet au personnage. Attends deux secondes. Oh. La marche avant, faut avancer, on stagne depuis tout à l'heure. Enfin... Oui, mais attends, moi j'ai un problème, puisque là il me dit maintenez Q appuyé, sauf que bah, Q ça me fait aller à gauche et c'est tout. Module d'armes. Vous trouverez des modules d'armes dans le butin des ennemis et dans les coffres. Utilisez l'armurerie pour remplacer les modules d'armes. Toutes les armes s'usent au fil du temps, perdent en force et certaines autres caractéristiques. Oh, chiant. Alors pensez à les réparer. Passé un certain stade, une arme ne peut devenir totalement inutile. Bon. Par contre, oui, il me manque une commande parce que moi, la roue des... Ah, munitions. Chaque arme, à part le revolver, nécessite des munitions qui diffèrent selon le module du canon. Vous pouvez en obtenir sur les ennemis au dépôt, en prime, dans l'arène ou en les fabriquant à l'établi. La quantité de munitions transportables est limitée. Développez votre technologie pour l'augmenter. Bon. Un autre conseil ou je peux... Merci. Paramètres. Commande. Ou même le petit flingue, il a des... Des modules à part. Des PV ? Non, pas le pistolet. Alors comment est-ce que je... Que consommable ? Mais si, pourtant, mais... Pourquoi il m'a mis ça là, quoi ? C'est débile. Est-ce que le A est avancé quelque part? Eh ben, ça va être le A, et puis c'est tout. Il est pas appliqué à autre chose, hein. J'ai fait pas de la merde, hein. Non, c'est bon. Appliquer les modifications. Ok, ça ne marche pas du tout. Ça, t'arrives à avoir la roue qu'ils ont dit, Barry, sur ton truc ou pas? Pour faire quoi? Donc, ils m'ont dit appuyer sur Q pour ouvrir la roue des actions et pour utiliser les consommables. Et chez moi, ça marche pas du tout. Ouais, non, pareil. De toute façon, moi, j'ai envie de te dire Q... Vous êtes QSD, quoi. Eh oui. Ah, c'est peut-être parce que j'ai pas de consommable en fait dans mon inventaire. Placement 1, placement 2, ça doit être ça peut-être. Alors là, Migom et Bulldoster. Allez, on va en manger un et on va y aller. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je sais plus ce que je voulais faire d'autre. Est-ce que... Ah. Bien. On va avancer jusqu'à la prochaine station et on s'arrêtera avant de passer à l'assaut de la prochaine station. C'est comme ça, ça fait un bon cliffhanger. Allez. Bon, moi j'ai vidé mon inventaire parce que j'avoue. Trop de bordel. Ouais, je suis peut-être allé un peu vite en fait. Ah, t'as ralenti carrément, totalement. Oui, non, mais j'ai laissé beaucoup trop de ressources derrière en fait. C'est pas grave. Prochain objectif de quête, créer des munitions sur l'établi et les ramasser. C'est-il pas beau? Pascal, est-ce que t'as bossé, Pascal? Pascal, il a bossé. Créer des munitions.
Alors là, je ne sais pas. La 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 Ah, caillou de merde. Pensez à vous retourner de temps en temps pour voir si vous avez pas raté des trucs. C'est ce que je fais. Bon stock de ferraille quand même, l'air de rien. Oh ouais. D'ailleurs, ça me fait penser que l'on a toujours pas réparé le bateau, donc je vais réparer ce que je peux. Le bateau. Ah. Le train. C'est un bateau. D'accord. C'est un navire. Ouais. C'est un fameux pour moi. Toi qui voulais qu'on rejoue à Sea of Thieves, bah voilà, c'est bon en voilà, fait. Voilà, c'est bon, hein. C'est Sea of Thieves dans le néant, quoi. C'est ça. Sea of Void. Void of Thieves. C'est ça. Le Void des voleurs. Bon, je n'ai pas de barre de fer, et il me faudra une barre de fer pour récupérer les deux trucs là. Bon, ils sont pas encore super pétés, c'est pas nécessaire pour l'instant. Planter, j'ai pas de graines. Pas de graine du tout. Moi j'en ai. Yeah. Eh ben il faut planter. Je crois que j'en ai posé 6 dans un coffre. Donc je sais pas si c'est la prochaine porte, mais je vois une espèce de machin flamme violette au loin. Ah, j'entends surtout le bruit d'un autre train. Là. C'est mon côté. Oui, bah, hey, moi je ramasse, je suis à la toute dernière limite. Ce que je ramasse, c'est des trucs que t'as pas ramassé. Non, c'est à moi qui fais ça. Non, ce que j'ai oublié, tu peux le ramasser, oui, ça c'est sûr, oui. L'inspecteur des travaux finis. Los Recuperator de la Mancha. Tantagrantantantantan. Ah, effectivement, je vois aussi la petite flamme bleue. Elle femme au saut flamme bleue. Oui. Un kilomètre et demi que je la vois. Hein. Il l'a vu sur notre bateau. Ouais. N'empêche, Sea of Thieves. Les terres de feu, mon domaine. Moi, je demande qu'à y retourner, j'ai réinstallé le jeu exprès, hein, vraiment. Mais... Je sais pas si je réussis à nouveau à passer à côté des volcans d'éruption sans me faire toucher. Ah, tu peux demander à Choc, hein, j'étais doué pour ça. Oui, mais pas ceux qui nous suivaient. Non. On a quand même réussi à balancer une maison sur des mecs qui nous suivaient. Une maison ? Clairement. Ah bah, vu la taille du bloc de pierre, ouais. C'était facile, maison. Oh. À la limite du T3, quoi. Et si nous sommes pétés de thunes, on peut s'acheter un bateau. Et on est propriétaire. Oui.
Oui. Soyons propriétaires. Eh ben, on est propriétaire de notre train. Ah, ça y est, il l'a dit. J'ai mis du temps. J'ai mis du temps avant de comprendre que c'était pas un bateau. Oui. Ah, et pourtant, pour moi, je regarde de l'autre côté, bon, bah, il y a des rails, des roues, c'est un bateau. On n'est pas dans One Piece, là, je te rassure. Na. Où t'as le seul bateau qui arrive à avoir des rails sur l'eau, bon. Mais t'as pas connu, toi, Galaxy Express 999? Non. Ah, j'ai l'inventaire qui est plein, déjà. Ah, ça vient de stresser, là. Ah bah, je me suis retrouvé face à face avec un bumper. Alors, on va déposer ça. On va déposer ça. J'imagine que si tu veux quelque chose, c'est pas comme dans la Moria où tu déposes dans les coffres et t'as accès à tout. Non, que nini. Ah non. Qu'est-ce que je viens de faire? On approche de la porte, tu veux que j'arrête ou... Oui. Oh, je me pose la question. Voilà. On a le droit d'abuser du klaxon. Voilà, donc on laissera la prochaine zone pour mercredi soir. Donc une très très bonne découverte. Non, arrête, s'il te plaît. Arrête. C'est une très bonne découverte. C'est un vrai type. Les petits cons. Oui. Donc ce jeu est une très bonne découverte. Je suis dans un grand kiff. On va se retrouver mercredi pour la suite. J'espère que vous avez aimé. Donc, likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite cloche pour suivre le fil de mes actualités une fois que vous êtes abonné sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne Twitch aussi, s'il vous plaît. Shou, qu'est-ce que tu penses du jeu pour le moment? En vrai, j'aime bien. Même sans avoir testé la démo, je me doutais que j'aimerais bien. En vrai, ça va. C'est con. Arrête deux secondes, arrête. C'est con qu'on ne puisse pas avoir des klaxons avec des sons différents. Oui, on pourrait faire une musique. Oh, j'ai pas d'indicateur au-dessus de vos noms, c'est chiant ça. Mon petit Barry. Oui. Quelque chose à dire? D'accord. Eh ben, ciao les potos, regardez les autres vidéos et à tout bientôt. C'était Shock Fury sur Void Train, un vrai petit coup de cœur. Et j'attends avec impatience la suite. Allez, ciao. Attends. Ça marche plus.